40 ans après la loi Veil, faut-il allonger le délai légal pour avoir recours à l'IVG? Question discutée en ce moment à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui en France, une femme peut avorter jusqu'à la 12e semaine de grossesse. Mais vous allez le voir, c'est un débat qui divise même les médecins. Maya Larguette et Soigny Thibault. C'est une militante de la première heure. Plus de 40 ans que Sophie Godu pratique l'interruption volontaire de grossesse. Pour elle, allonger le délai d'accès à l'IVG de 2 semaines pour le faire passer de 12 à 14 semaines est une bonne nouvelle, notamment pour toutes les femmes isolées ou qui découvrent leur grossesse tardivement. Là, elles entrent vraiment dans un parcours compliqué, dans un parcours qui, on emploie le mot classique, mais est le parcours de la combattante. Il faut se dépêcher de trouver des rendez-vous. Pour ces patientes-là, l'accès peut être extrêmement difficile. Elle serait entre 3 et 5 000 femmes à devoir partir chaque année avorter à l'étranger, où dans certains pays, la législation est plus favorable. L'Espagne et l'Autriche autorisent déjà l'avortement jusqu'à 14 semaines, la Suède jusqu'à 18, les Pays-Bas 22 et jusqu'à 24 semaines pour le Royaume-Uni. Geste plus complexe pour le praticien, plus risqué pour la patiente, rétorquent les opposants au projet de loi. Pour eux, le problème d'accès à l'avortement doit être réglé par une meilleure offre de soins. C'est pour ça qu'il faut se donner des moyens financiers, des moyens humains et mettre à la disposition des femmes des consultations avec un délai qui est raisonnable d'accès, c'est-à-dire dans un délai de à peu près de 4 à 5 jours. 45 ans après la dépénalisation de l'IVG, le sujet fait toujours débat. Le ministère de la Santé a saisi le comité d'éthique sur la pertinence d'un allongement des délais d'IVG. Il devrait rendre son avis mi-novembre. En direct de l'Assemblée nationale, on vous retrouve tout de suite Thierry Curté. Thierry, le gouvernement n'était pas pour, mais beaucoup de marcheurs pourraient voter le texte. Alors, la discussion de la loi est en train de se poursuivre, elle n'est pas terminée, mais l'article 1, celui qui porte, qui prévoit l'allongement du délai pour un avortement de 12 à 14 semaines, lui vient d'être adopté. C'était il y a quelques minutes, une majorité assez nette, 102 voix pour, 65 voix contre. Au-delà de ce texte, au-delà de ce résultat, il faut y voir une volonté d'émancipation des députés de la majorité, car ce texte, eh bien, il est issu, il est proposé par un groupe dissident. Olivier Véran, le ministre de la Santé, et Jean Castex, le Premier ministre, avaient fait savoir qu'ils étaient contre l'adoption de ce texte, la majorité. Donc, depuis la rentrée, en 3 ans, le groupe majoritaire est passé de 314 députés à 270. Et déjà, mardi, 70 députés marcheurs avaient fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils ne voulaient pas du retour des nicotinoïdes. Alors, il faut savoir que le texte sur l'avortement, la loi, va continuer à être discuté cet après-midi. Elle devra ensuite aller au Sénat pour revenir ici avant d'être adoptée. Merci beaucoup, Thierry. Des salariés